le samedi 4 juin dernier, et à la surprise générale, François Hollande et Julie Gayet, qui apparaissent ce mercredi 17 mai dans la série inquiétante Disparition de France 2, se sont unis par les liens du mariage au sein de la mairie de Tulle, en Corrèze. Une cérémonie volontairement intimiste à laquelle une poignée d'invités étaient présents. Seulement, comme l'a dévoilé Thomas Hollande dans les colonnes de Paris Match, le 16 juin, il n'a pas pu assister à l'union de son père. Découvrez la raison pour laquelle il était absent durant ce jour important. Je n'étais pas présent, ni mon épouse, ni aucun de mes frères et sœurs, avait d'abord expliqué Thomas Hollande auprès de nos confrères, avant de poursuivre, la cérémonie s'est tenue en tout petit comité. Pourtant, comme il l'avait ensuite révélé, les enfants de l'ancien président de la République n'étaient pas les seuls à ne pas assister à cette union. En effet, ceux de Julie Gayet, Tadeo et Ezequiel, nés de sa précédente relation avec le cinéaste Santiago Amigorena, n'étaient malheureusement pas non plus de la partie. Supérieur à découvrir les femmes qui ont compté dans la vie de François Hollande, un mariage organisé dans le plus grand secret invité sur les ondes de Sud Radio. Le 13 juin dernier, Julie Gayet était revenue sur les préparatifs de son mariage. L'actrice de 50 ans faisait part de tout le stratagème mis en place pour que son union ne soit pas gâchée par la présence de plusieurs photographes. Le mariage, si est-ce un joli coup. Parce que les paparazzi ont été pris de vitesse. Vous avez été très malin, lui avait-on fait savoir. Ce à quoi l'épouse de François Hollande lui avait alors répondu, avec une certaine malice, on a fait ça très discrètement, on a dit que c'était mes 50 ans, ce qui était vrai. Donc vous avez prétexté une fête pour vos 50 ans, très malin, avait fait remarquer l'animateur radio, amusé par cette confidence. Si est-il bien d'être tranquille, avait-elle ensuite rétorqué. Crédit photo, Cyril Moreau.